facile. On attend d'accoster et on arrive sur la terre de mes ancêtres. Eh ben oui. Ma maman est sicilienne. Qu'est-ce que vous voulez que je lui dise ? C'est bien ? Cool. T'as bien dormi ? Ça tangue un peu sur le bateau. Là. On découvre notre habitation, on a pris un logement Airbnb et ça n'a pas l'air trop mal. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? T'en penses? C'est assez sympa, très pittoresque. Alors bébé, on vient de trouver la maison de tes grands-parents. Ouais. Ça fait mal au cœur de voir ça. Surtout dans l'état dans lequel c'est, parce que c'est plus habité. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Vous avez imaginé ici, c'était ma grand-mère, elle avait tout enlevé là. On voit plus rien. Il y a des clôtures qu'il n'y avait pas avant. Oh punaise. C'est ici que je passais mes vacances quand on était jeune. Là il y a le puits. Oh punaise. Là il y en a un autre. Là oui, ma grand-mère faisait sa lessive là. Il y a toujours de l'eau. C'est mon grand-père qui a fait ça. Il y en avait ici une petite poulie, on jetait le seau d'eau et on allait chercher l'eau ici parce qu'il n'y avait pas d'eau courante. Voilà. C'est mon grand-père qui a fait tout ça. Alors, à l'époque, ils habitaient là-dedans, il y avait un petit carré, ils habitaient là-dedans et nous on dormait là. Les cassés dedans. T'as pris les clés au moins? Non. C'est une blague. J'ai laissé oublier les clés dans l'appartement. Puis on se baladait là derrière, il n'y a plus possible de se balader. Et là, mon grand-père, il avait construit une petite piscine pour moi. Mais elle est là, elle est en dessous là. Là? Ici, mon père et mon grand-père ont tout fait ici. Oh là là. Il y a les toilettes là. Mon grand-père et mon père ensemble, ils ont coulé le béton ici par terre. Oh punaise, j'ai dit. On allait aux toilettes là, il n'y avait pas de chasse d'eau. On devait prendre de l'eau et on jetait l'eau dans les toilettes. Que mon grand-père a fait pour ses petits-enfants. On pouvait courir là. Thank you.
vous laisse pas? Non. Oh punaise, non. Le congélateur de ma grand-mère. Vous mangez ici. Là, à gauche, c'était leur chambre. Là, à gauche, c'était leur chambre. Là, il y avait ma grand-mère qui dormait de ce côté-là. Et mon grand-père dormait de ce côté-là. Ils dormaient pas ensemble? Parce qu'ils ronflaient trop fort. Oh punaise. La terrasse. T'as vu la vue qu'on avait? Il n'y avait pas ces maisons devant. Il n'y avait pas ça devant. Voilà. On avait cette vue-là tous les jours. Et là-bas, c'est des cousins. Et là, il y avait la première maison de l'arrière-grand-père qui a été détruite et il est au même emplacement, cette maison-là. Et c'est de là qu'il y avait le mûrier, l'histoire du mûrier, où je redescends avec l'essence, c'était de là que je venais. Ce cactus. Oh, le citronnier que ma grand-mère a planté, c'est devenu ça. Ma grand-mère, elle a planté ce citronnier, je l'ai vu faire, il y a encore des citrons dessus. Et là, on montait derrière dans les jardins, on jouait à cache-cache. Et là, j'avais foutu le feu à tout le près. J'avais foutu le feu, je me souviens que mon père et moi, on courait pour... Parce qu'il faisait tellement chaud, et il y avait du vent, ça partait de tous les côtés. On avait peur de foutre le feu à la montagne. Voilà. Et là, j'ai les photos avec ma cousine Cathy, dans lesquelles on se baigne là-dedans. La nature, elle reprend le dessus, c'est incroyable. C'est incroyable. Et là, il y avait du raisin, il y avait de la vigne. D'ailleurs, elle y est toujours. Et il y a du raisin. Ah oui. Pas grand-chose. Tu veux goûter le raisin de mon grand-père? Bien sûr. Pas grand-chose. Honneur à toi. Non. Goûte. Oh, il est bon. Regarde, il y a des citrons là. Tu oui. veux des citrons? Mais vas-y. Tu filmes encore? Oui. Les petits citrons là. Pour le mojito. Eh bien, parfait. T'en as un plus près là. Même moi je peux l'attraper. Si j'arrive à le décrocher. Non, il faut le décrocher contre. Voilà. Ah, il sent bon. Non. Non, mais rien que mes doigts. Non. Quand je l'ai pris. Les citrons de ma grand-mère.
told me you believe in something, and you said you're done pretending that fate is patient. Go run away, get it out of your system. Come back when you're older. Go find a place where you can't be the victim. C'est toi qui filmes aujourd'hui ? C'est moi qui parle aujourd'hui. C'est toi qui parle ? C'est moi qui parle. Je peux rester ? Je peux rester si tu veux. J'ai peur. En général, si elle parle, c'est pour parler derrière mon dos. Mais non. Donc, moi, je me mets derrière ton dos pour être sûr. T'entends, je regarde si je suis bien. Ouais, je suis bien. Ouais. Bon, ben, je vous laisse. Hein. Je vous la laisse. Prends soin d'eux. Tu t'en vas dans les 300 mètres carrés que nous avons ? Je travaille. Bon, alors, bonsoir à tous. Oui, parce qu'il est 22h passé. 34. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler d'une petite chose. Aujourd'hui, c'est moi qui parle, ça change. Nous avons eu une altercation, une prise de bec, un malentendu. Non, non. On se prend jamais. Légèrement agacement. Non, c'est toi qui t'as agacé. Moi, tout allait bien, moi. Je vais travailler. Ah si, ouais. Donc je vais pas vous raconter ce qui s'est passé parce qu'on s'en bat les steaks. Tout ça pour dire que dans un couple, il y a souvent parfois des malentendus. Non. Souvent. Donc il y a parfois des malentendus, des sous-entendus, des choses incomprises, des choses mal dites, des choses maladroites qui ont été dites. Et ça peut entraîner des situations un peu embarrassantes, un peu embêtantes. Donc nous, quand on se fait la tête, on se fait pas la tête longtemps, hein, on se fait, là bon, ça a duré quoi, 10 minutes, un quart d'heure. Bon, on continue à se parler. On continue à se parler normalement, à avoir une continuité de vie, même si on n'a pas réglé le problème. On va pas se faire la tête, se bouffer toute la journée, ça sert à rien. Donc on continue notre vie, mais le problème il reste quand même là. Le soir, on en a parlé avant d'aller manger, tous les deux, que la tension redescende un peu, qu'on prenne du recul tous les deux. Et donc avec des explications autres que celles qu'on s'était données, on a pu résoudre la chose. Et maintenant, comme vous avez pu voir, ben, tout va bien. Je suis essoufflée en plus, après avoir couru. Et donc voilà, donc quand on a des malentendus comme ça, surtout ne pas rester fâché. Même si le problème en soi, il n'est pas résolu tout de suite. Ne pas se faire la tête, ça ne sert à rien. Au contraire. Voilà. Nous, quand on se dispute, ça ne dure jamais plus de 10 minutes. Et encore, on se dispute, on se crie même pas dessus. Non, on se crie pas dessus, mais bon voilà, on s'est boudé pendant 10 minutes, un quart d'heure, où on s'est vraiment pas parlé, où c'était tiens-toi éloigné de moi le plus loin possible, si tu pouvais aller à l'autre bout du monde, ça m'arrangerait tout de suite. Mais bon voilà, ça dure jamais longtemps, et puis voilà quoi. T'as quelque chose à rajouter ? T'as tout dit. Voilà, ne perdez pas de temps à vous tirer la tête, ne. Non, maintenant que je parle, ne perdez pas de temps à tirer la tête, ne perdez pas de temps à savoir qui a raison, qui a tort, parce qu'en fait, ici en l'occurrence, on avait tous les deux raison, c'est juste qu'on s'est mal compris. Et comme j'ai souvent raison. Bon, alors ça, ce sera une autre histoire, on en parle en off. Mais que votre couple soit vivant, et quand vous avez des différends ne doivent pas se terminer en dispute, et ne perdez pas 2, 3, 4 jours à vous tirer la tête, quelle perte de temps. Et après on se rend compte que quand on parle, c'était finalement des choses tellement simples et tellement ridicules parfois. Et parfois on disait la même chose mais juste avec d'autres mots, parce que c'est ça, Mars et Vénus,
On ressent les mêmes choses, mais on ne l'exprime pas de la même façon. On ne ressent pas les mêmes choses. On ne ressent pas les mêmes choses. Bon, alors, on en parlera dans une autre vidéo, ça. Voilà, voilà. Alors, on a ressenti la même chose tout à l'heure au restaurant. C'était bien, c'était bon et c'était pas cher. C'est vrai. Voilà, on s'est craqué la panse dans un restaurant au bord d'un petit port de pêcheurs en Sicile, au bord de l'eau, et on a mangé tous les deux pour 31,50€. Boisson, dessert, plat, tout compris. Et pourboires, parce qu'il faut savoir que les pourboires sont directement dans la nappe. Oui, en Italie, vous avez souvent les couverts qui sont comptés en plus, c'est pour le service. Voilà, chaque pays a sa façon de faire. Aux États-Unis, il faut ajouter 15-20% de plus pour le pourboire, et là, c'est inclus dans la note. C'est 2€. Voilà, par personne. Tu m'aimes ? Non. Ah, fais-moi un bisou alors. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? J'éteins et elle s'étouffe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis noyée. Vous voyez, nous, on se dispute beaucoup. T'as des belles couleurs. Oui. T'as pris des couleurs aujourd'hui. Les collègues, ils vont pas être contents. C'est bien, c'est pour ça que ça sert les vacances. Allez, bonne nuit tout le monde. Ça, enfin, ça dépend à quelle heure tu regardes. Ah bah, par là-bas. Ou par là. Ou par là. Je te suis. Alors, tu l'essayes si c'est chaud. De l'eau à 50 degrés. De l'eau sulfureuse. Waouh, c'est excellent. Il y a Camille qui veut conduire le cabrio. Alors, on va voir ça. J'ai pas peur. Elle est loin la fin de ta route? Oui, très loin. Oh là là, j'en vois pas le bout du nord, mais qu'est-ce que c'est cette route? Elle voulait juste aller à la fin de la route. Alors, elle est puissante? Ouais. Yepa. Et voilà. Comme dans du beurre, il dirait le loulou.